Aujourd'hui, là, c'est pas assez dur. Donc, je joue Kayle sans appuyer sur E. Mais j'ai le droit de prendre le E. Parce que je me suis fait la réflexion. C'est dommage qu'on puisse pas faire d'hydro-titanesque sur Kayle. Et puis, je me suis dit, mais Younes, enfin, il y a une série que tu as créée où tu peux jouer Kayle avec une hydro-titanesque. Et nous y voilà. Une vieille série que je ressuscite. Alors, pas de bol, je suis tombé contre un Jace. Qui a pas voulu. Oh non! Mec, joue le jeu! Arrête, t'as pas le droit à la forme canon. Il finira par plus avoir de mana s'il continue. Moi je serais lui, je continuerai pas. Vas-y, je max le Z. Tu veux jouer au con, on va jouer au con, Jace. Crois-moi que je suis imbattable à ce jeu. Hein. Ah, les gens qui ont joué au con avec moi, ils se sont vite rendu compte de la supercherie. Que Younes, c'est le plus gros con qui avait que la Terre ait porté. Oh! Bah, attention. D'accord, plus de mana du coup. Arrête! C'est vrai qu'il a ses auto-attaques quand il n'y a plus de mana. J'avais très envie de me dive, sauf que fallait que son Q-spell touche. J'ai bien vu la déception ensuite. C'est peut-être moi qui vais finir par le tuer. Hein. Sans mana. Pouf! Ah, moi aussi je vais passer niveau 6. Je vous rappelle que mon ulti ne coûte pas de mana, donc ça se play tout ça. Hop là. Insupportable, ouais. J'aurais bien aimé une phase de lane un peu plus tranquille, mais c'est le jeu quoi. En tout cas, c'est assez marrant à jouer. Ah, d'accord. Ouais, c'est quand même assez frustrant parce que je le défoncerais énormément si j'appuyais sur Z. Sur E, pardon. Sur Z, ça va. Sur Z, je maîtrise. Est-ce qu'il me prend dans un bush ou est-ce qu'il va mid? Ah, il va mid. J'ai indiqué que des ennemis avaient disparu. Qu'on se le dise. Tiens. Wow, 100? Oui, c'est un ratio AD ça. 100% de l'AD supplémentaire. Pas mal. Sens-tu la fin arriver, Jace? Pour moi, ça ne saurait tarder. Là, je lui mets Q-spell, auto-attaque, reset. Non, j'ai pas de reset d'auto, je vais dire auto-attaque, Tiamat. Allez! Quand même! Il y a un gank d'Aatrox, il peut rien quoi. Attends, mais il me défonce là. What? Je pensais avoir un peu plus de réponse à ça. Bah défends Twitch. Mais t'es un enculé toi. Non mais il vient pas, d'accord. Oh merde, j'ai appuyé sur. Ok, bah, j'abandonne, j'ai pas le droit de te combattre. Il misclique. Bah, là j'ai le droit. Ah, il a fui. Le lâche. Un mauvais réflexe. Là, c'est pas grave, ça changera rien à la game. Si je l'avais tué, peut-être. J'ai une TP dans 2, dans 1, dans 0. Ok, une assist. Bravo. Ah, mais ils se font défoncer là. Quoi? Mais ils sont extra bad. Je me permets d'être toxique parce que c'est normal. Du coup, ça va. Et que c'est eux qui ont commencé. Vraiment un duel d'attardé. Ha. Bah c'est à peu près aussi bien que ce que je pensais, Kayle mêlée. C'est-à-dire pas vraiment bien. Après je max le Z, j'ai pas énormément de dégâts. Après je ferai une trinité je pense. Et j'ai le Tiamat pour compenser le push du E. En fait si tu fais Tiamat t'as pas besoin du E parce que tu pushes très bien juste avec le Tiamat. C'est d'ailleurs pour ça que les autres champions font un Tiamat, comme ça ils ont pas besoin du E de Kayle. Parce que tout League of Legends ça dépend du E de Kayle en fait. Tous les champions tu les compares en fonction de s'ils ont le E de Kayle ou pas.
Et en général, c'est Kyle qui gagne à ce jeu-là parce que Kyle est le seul champion à avoir le E de Kyle. Ça, faut le savoir, hein, bien sûr. Quand même celui de mon équipe qui s'en sort le mieux, bon, sauf au niveau du farm. Ah merde, j'ai encore appuyé. J'ai pas le droit de taper du coup. Enfin bon, j'aurais dû pas du tout mettre 2 points dans le E. Comme ça, j'aurais pas appuyé dessus, même par erreur. Mec, il est en train de me flame parce que j'avais une bordure diamant. Je suis en 1-1-3, il est en 0-3. Alors. Ah merde, y a pique. Le champion qui pique. Ok. Hop là, il est slow. Si ça intéresse qui que ce soit. J'ai un ulti. Tac. T'es morte. Nice. La game est tellement gagnée. Quel briseur meilleur pick. Mais peuvent-ils seulement le comprendre? Ah. Ah, il est peut-être mort du passif, c'est ça. Passif de Twitch qui l'a tué. Pam. Toi pareil. Toi tu devrais arrêter de die une tourelle. Ça va t'attirer des ennuis. Ok. Nice. Alors Atrox qui m'a jump dessus avec un PV. Hein. Je sais qu'il a de la régène, mais il en a pas à ce point. J'ai beau me faire flame par tout le monde, je suis quand même le. Quand même le moins nul de mon équipe, non c'est quand même Vayne la moins nulle. C'est Vayne qui se débrouille le mieux. Ah! Je suis attaqué. Ah! Je suis désattaqué. Maintenant on y va, on les défonce tous. Vas-y Kayle, tu engages. Soraka pardon, tu engages. Pas à moi d'engager. D'accord. Ok, alors tout le monde est mort. On a failli. Ça a failli être du 4 pour 5. Vraiment à peu de choses près. Du coup, je pense qu'on peut s'applaudir. Bah, je suis tout seul, mais je pense que mon équipe applaudit chacun de son côté. Ouf, ok, qui tue à la rédemption. Personne n'a encore remarqué que j'appuyais pas sur E. Ali. Je cours. Merde, il y a Atrox sur moi. Ok, wesh. Ok, trop de contrôle. Les gens sont tellement toxiques en normal game, quoi. Ah. Non, c'est con, j'allais faire moi. Super play. Tiens. Ah merde. Aïe 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 aïe, c'est vraiment fort. Ils sont graves. Wow, je sais pas pourquoi je les ai pas encore mute. Les gens, comment ils sont stressés en normal game, quoi. Ils jouent leur vie. Déjà, je vois des gens comme ça en ranked, je me dis qu'ils ont des problèmes IRL, mais dans une game qui a aucun enjeu en plus. C'est dingo, quand même. Moi, je fais une normal game par an et je tombe sur celle-là, quoi. Mais bon, je les protège. Il est slow. De rien. Ah, mais ils sont tous morts. On est plus que deux. Ça va, on peut se venger. Mais lui il a Zonia donc on va pas vraiment se venger.
Ça m'a pas bump le spell d'Atrox ça? Ah bah non, mais ça est FF en plus. Bah génial. Honnêtement, je pense que j'aurais pu gagner une game comme ça. Mais il faudrait une game où il y a moins de 4 trolls dans mon équipe. Bah j'ai quand même plus de dégâts que Twitch. Pas ouf, mais bon, en même temps, je suis tanky quoi. Bah allez, on pose le tampon viable sur ce build.